Toi, tu veux protéger l'arbre, t'as demandé à ce qu'il fasse gaffe aux racines? Passer la caméra, c'est-à-dire ils vont commencer à la trancher, tu vois, puis ils vont passer les caméras, et puis ils vont y aller tout doucement, et puis ils vont voir à la caméra s'ils tombent sur des grosses racines là-bas, parce qu'ils viennent de derrière la maison, là-bas. Donc en fait, ils vont essayer de voir s'ils vont pas, avec le tractopelle, toucher des grosses racines. 600 euros pour ne pas toucher les racines. 600 euros pour pas toucher les racines. Ne le crevez pas, je vais en être malade et puis je vais être pas sympa. Donc, d'accord. Donc le péliste, lui, il dit bon bah, on va faire attention, mais pour faire attention, il y a que ça. Quoi. On peut pas deviner quoi. Ah bah oui. Y aller au pinceau et. Ah ouais, non mais je comprends. Comme des fouilles, mais il dit, si et vous encore, voulez, y a des... protège au maximum. En tout et pour tout, il va perdre 2-3 heures et il faut me payer les 2-3 heures 600 balles. Juste parce qu'il faut faire attention à l'arbre. Ouais. Comme quoi, tout coûte. Parce que les racines, elles vont pas aller jusqu'en bas là-bas. 600 balles pour protéger l'arbre. Ouais. Sans certitude qu'ils ne font rien. C'est ça le pire. Même s'il y a la caméra, tant qu'ils n'ont pas creusé, ils savent pas où ils sont. Comme quoi, la préservation de la partie naturelle de ce que tu as autour de ta maison coûte un peu quoi. C'est quand même un peu tiré par les cheveux l'histoire quoi. Moi, il y a un truc, ça me rend fou. On te demande d'être de plus en plus propre. Mais le problème, c'est que si tu veux être propre, ça te coûte le triple. Ouais. Ce qui est fait en temps normal. Que normalement, ça devrait être l'inverse. Si tu veux que les gens aillent vers ça. Bah, ça devrait être subventionné par l'État. Mais même ça, c'est subventionné par l'État. Le matériel de départ devrait être moins cher. Tout devrait être moins cher. Ou pas mettre de TVA sur ce genre de choses. Inciter les gens à aller vers ça. Parce que là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme d'hab, c'est oui, toujours ceux qui en ont le plus qui peuvent le faire. Les plus touchés par la partie propre. Oui, l'isolation, les choses comme ça. C'est les petites gens. Bah, ouais, ouais. C'est eux qui vivent avec la nature. C'est pas le grand PDG de chez Total, il en a rien à branler, lui. Moi, je trouve ça anormal. Quand tu veux être le plus propre possible, eh ben, ça te coûte 4 ou 5 fois le prix. Enfin, on est dans un monde où, déjà où le chien se mord la queue à la base. Donc, des fois, je comprends pas tout. Comme quoi, il n'y a pas que les voies du Seigneur qui sont impénétrables. Alors, les mecs, ils vont te dire, ouais, mais c'est parce qu'il n'y en a pas. Au niveau production, il y en a très peu. Tu le développeras jamais si ça coûte 4 fois le prix d'un assainissement normal. C'est comme les lagages. On me fait un procès parce que si tu me dis tu coupes l'arbre en deux, je vais passer 2h30 à t'expliquer que c'est pas bien. Mais si à la fin, tu me dis ben moi je veux ça, eh ben je le coupe en deux l'arbre. On me fait un procès en règle. Si tous les élagueurs, tous, que ce soit arboristes, élagueurs, en fait c'est la même chose, c'est la même race. Hein. Tous ceux qui s'occupent des arbres, quand t'arrives sur un arbre comme ça, le mec il dit on le coupe en deux. Si tout le monde disait non, eh ben moi je dis non. Mais si tout le monde dit non, parce qu'il y en a toujours un qui va dire ouais ouais t'inquiète, moi je coupe. Alors pourquoi lui le ferait? Et pas moi. Ah ouais, ouais. Le problème, c'est ça. Mais c'est comme tout. Au lieu d'aller sur le bon sens, tu vois, il faut attendre qu'ils pondent une loi, que ce soit encadré, il faut attendre qu'il y ait des sanctions, il faut attendre tout ça. Bah, mon titi, toi, t'es peu près de la maison, par contre, tu vois. Ça, c'est dommage. Hein, le petit cyprès. Allez, on y va. Si je trouvais le con qui avait sauté le pont. Là, là, li, là, li, là, là. Bâté. Bâté. De la vie belle, de la pipi, de la bébelle. Eh ben, c'est poilu comme arbre. Hein. Mais à la base, la ficelle, c'était pour le tenir. Tout ce qu'il faut pas faire. Moi, c'est la merde. Y'a un bordel là-dedans, moi, Julien. T'avais dit que ce serait celui-là le plus merdique. Quel saloperie. Oh.
Sors-toi. Sors-toi. Vas-y. Lâche. Stop. Mon Dieu. Vous avez donné du mou. Tu peux pas travailler. Oh, c'est chiant ça. C'est chiant les filles. Hein. Oui. Allez ma fille, sois mignonne. Allez. Jacques a dit, a dit. Tu vois, il faut dire, Jacques a dit, a dit. Non, non, je passe. Aussi. Non. Mimi, je t'aime, moi. T'as pas voulu mon talent, t'as. Hein, tu l'aimes, ma Mimi. Oui, tu l'aimes, ma Mimi. Oh, oui. 20 minutes. C'est pas mal. Diego, Diego, Diego. Ah, Diego, oui. Diego, Diego! On va peut-être attendre que le carton sèche. Oh, tu m'as beaucoup de ta plus petite bébête, là, quand tu redonnes, tu vas bien, cette petite machine. Oh, tu vas bien, cette petite machine. On va bien, cette petite machine. Il faut enlever ces trois branches-là que je puisse reculer là. Tu passes là? C'est pas chef, hein. Mais je vais le mettre comme ça, là. Il faut que j'y aille la marche arrière. D'accord, donc on va enfiler les branches. Comme ça, ouais. Eh ben, c'est très bien, donc on descend tout et on vient enfiler les branches là, Jean-Marc. Oui, oui, oui. Allez, c'est bon. Ça va éviter un peu de manutention. Bon. Eh bien voilà les gens, nous on a bu le café. Enfin, tu as bu le café, j'ai bu on a le café. Bu l'eau. Regardez comment on était bien là. On était bien là. Ouais. Petit café, petit verre d'eau, tout va bien. Là, pour le coup, vous l'avez pas vu, je suis descendu, je suis parti comme un voleur de l'autre côté. On lui a éclairci le bas, on a remonté un peu le houppier. On se croirait à Saint-Tropez. Ouais, on est à Saint-Tropez là. Comme ça, il n'embête plus la toiture là-bas. On a fait tourner les branches. Gouda est encore en place. Bon, lui, il... Ça lui a rasé un peu les étiquettes, mais il est encore là. Non, mais lui, il ne bougera pas. Hein. Non, mais c'est Bouddha, il a peur de rien. Le matin, des fois, je me dis, il s'est barré. Non, il est toujours là. Là, il est fidèle au poste, il monte la garde.
On avait un beau cyprès qui était planté ici. Il est plus. Deux bouleaux derrière. Deux bouleaux derrière. Ils y sont plus. Quatre grands peupliers. Quatre grands peupliers, ils y sont plus. La bamba, un autre peuplier, il y est plus. Une montagne de laurière. Voilà. Et une montagne de laurière qu'ils avaient pré-coupée, qu'on a tout broyé en même temps. Et maintenant, c'est des vers de terre qui vont se régaler. C'est ça. Et donc, ils sont partis pour faire de la permaculture. Donc, ma foi, ils auront au moins la matière première. Tout ça, c'est propre. Ici, c'est propre. Là, c'est tout propre. Alors, ils gardent le broyat, ils gardent le bois. Impeccable. Donc, il y a un peu de broyat. Hein. Ça sent bon. Pour passer mieux, on le sent. Les peuples d'hier, il n'y a plus les boulots. Fait, hein, ils sont ben, le boulot est fait, les gars. Ici, tout nettoyé, tout ratissé. Là-bas, en bas, pareil. Zozoï, il en a chié ici, Zozoï. C'est qui, Zozoï? C'est le broyeur. Ah, le broyeur, il en a chié. Tout propre, tout beau. Tout ce qui avait été là, c'est passé dedans. Au fond, là-bas, vous avez le broyeur. Là, comme ça, après, il va faire un petit jardin perma. Impeccable. Bon, est-ce que ça t'allait? Très bien. Est-ce que ça vous allait? Très bien. Parfait. Ça vous azalait. Ça vous azalait. Oh. Oh. Les fameuses azalées. Là-dessous, il y avait des fleurs qu'il fallait pas toucher. Et puis là-bas, il avait un arbre qui était juste planté, en fait. Donc, les courants d'air, mais ils n'ont pas été touchés. Non. Par contre, ils ont eu un peu de vent. Bon, ça vous allait, alors? Très bien. Parfait. Bon, pour un débutant, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh. C'est pas mal. On peut c'est... continuer comme ça. Bon, les gens, allez, nous, on vous laisse. Soyez sages. Mais pas trop. Mais pas trop. Si vous sortez, n'oubliez pas le chapeau. Aïe. Ça, c'est une fesse. Ouais, eh ben, je vais te la claquer, moi, la fesse. Tu vas le sentir passer, hein. Fesse. Ah, fesse. Ah, fesse. Ah, fesse. Ah. Ciao à tous, les gens. Ciao. Au revoir, les gens. Au revoir.